crois qu'il y a un truc qui va arriver en screamer là, non? Ah, même pas. Bah du coup en fait on va aller de l'autre côté mais en haut. Et là on va voir les trous qu'on avait vus. Des écologistes qui dorment. Ah, lol. Oula, il y a oh du putain, monde. t'as fumé ça! Putain, t'as fumé ça! Bordel! What? Il est rentré! Ouf. Tiens, et. Ouais. Non, mais attends, attends. Cette pièce, non, mais cette pièce, c'est carrément un copy-paste aussi ici. Un hein. copy-paste. C'est vraiment un copy-paste les pics, ils étaient au même endroit. Les pics, c'est vraiment le même placement du port La Canaille. Enfin, des égouts du port La Canaille, les pics. Je m'étais trompé de touche. Oui, ah. Une clé Chatar. Une clé Jadar. L'autre qui a percé à Ion Link. Et t'as l'autre qui est devenu. Oh, t'as vu, il m'attendait lui. C'est le château des alcooliques anonymes. Il m'attendait là, son fils écologiste. Oula, c'est son fils écologiste. Une ça pendule trigger, pas très. Hein. Une pendule bizarre, on dirait qu'elle vient pas de, du jeu. On dirait qu'il faut. Il y a un truc qui. Ah, t'as vu? Eh oui, il fallait pousser. T'arrives pas. Donc là, il était midi écart. Ou alors. C'est plus à l'heure. Il n'y a plus de piles dans la trou. Hmm. C'est sympa, c'est un boulot pour Optobar. Rebubububub. Des pièces. Un livre communiste, un livre capitaliste et un livre écologiste, encore. Pauvre capitalisme au milieu des parties de gauche. Ah, tu fonces sur les. Ah, c'est vraiment là qu'il fallait aller, putain. T'as vu cette intuition de Bébard? Waouh! Mmh. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Je veux voir ce qu'il y a. Là ça revient là. Ouais. Ok, mais en fait là, si tu sautes dans le trou, tu tombes dans le couloir d'en bas. Du coup, je suis sûr que tu peux ouvrir la porte sans le réveiller. Si t'approches doucement. Je sais pas si ça lance le combat si tu le touches. Bah du coup. Ah putain. Oh putain. T'as vu, il voulait pas. Oh, ça fait. Putain, ça fait trois fois que j'esquive. Oh, du miel. Ah c'est du sirop d'érable, c'est vrai, pardon. Ça va, si toi dans ta gueule, je sais que t'allais écrire cette blague. Elle est drôle cette blague. J'allais lancer ouais. Elle. Oh putain. Oh putain. Quoi? Une odeur mouche. C'est débile, il est capitaliste alors que ses fils ils sont écologistes. Du coup, tu fuis? Il va venir, tu crois? Quelque chose me dit que. Ouais, à mon avis, il faut jouer avec Dembo. Oui. Mais je sais pas s'il va venir en fait, tu vois. Parce que l'autre il a dit qu'il fallait fuir. Ah, il vient. Hein. Ah, mais je pense qu'il est con, hein. Si tu te caches, de toute façon, il va passer. Bien. En fait, c'est un ennemi quoi, il a le pattern d'un ennemi. Il est plus merde, gros que Bowser. Merde, putain. Ouais. Et là, il arrive en Formule 1 Ferrari. Ouais, je tape une barre. Hein. Ah. Oula, oh putain. Oh, t'imagines là, ils sont tous réveillés de mettre des coups de masse. C'est con de mettre des gardes dans une pièce où ils dorment tous, ça sert à rien. Et si t'es fou, tu cours. Non, je ne cours pas. J'aurais mis une musique drôle. Mais c'est bon, je cours. C'est bon, mais c'est con. Non, mais attends, si je me loupe, je dois en battre 6 ou 5, là, c'est bon. Ah ouais, on monte, d'accord, on monte de plus en plus haut. Et là, on a les fantomas de Luigi's Mansion. On a le vieux sur son fauteuil, là, qui lit son journal. Enfin, le vieux, Neville. Il est pas si vieux que ça. Il est roux. C'est le pote à Ganon. Parce que c'est roux, c'est son pote. tu crois que je suis le pote à Ness, moi?
Ouvre le coffre, Mario! Je crois que j'ai des ennuis. Cet esprit étoile a fui. Il se pose des choses bizarres dans le château. Je ne voudrais pas mettre en colère Bowser. Il est terrifiant. Il m'a rendu invincible. Mais si je ne fais pas attention, il me fera redevenir normal. Genre. Mario, putain! Il va dormir? Loul. Je vais dormir un peu. Oh putain, t'as filmé ça. C'est quoi? Comment il dort? Mais il a pas de yeux, il a pas d'œil. Ouais, ouais, Mario comme il est. C'est mort. En fait, il fait genre qu'il regarde et ferme un œil. La bulle. Oh putain! Salut! Je suis Biki! Incident suivant de maître Tuba Bubblep. Mon travail consiste à garder ses miens. Quoi? Tu ne ressembles pas du tout à maître Tuba Bubblep. Cela voudrait dire que vous êtes venu me voler, moi, la clé magique qui ouvre la porte du moulin Rafale au bout du ravin ventu. Il a tout dit, quoi. Il a tout dit. Et votre objectif est de trouver s'il y a un secret dans le manoir, dans le moulin Rafale. Non. Oui. Es-tu quelqu'un d'honnête? Du coup, bien oui. Il va faire... Oh, putain. Au secours! Maître, tu m'as beublé au voleur. J'aurais dû dire non, tu crois? Bah, du coup, oui. Oh non, il est réveillé, fuyons. C'est un fou, là. Au pité. Du coup, tu l'as volé? Je sais pas. Ah si, il est venu avec toi. Mais c'est complètement con. Et d'accord qu'il va poursuivre. Pas, là. Je sens qu'il va venir. Oh pité. Ouais, c'est sûr, il va venir. Il est là, et c'est là qu'il arrive en Formule 1. Oh putain. Eh hey, voleur, stop. Oh putain, moi je suis énervé là. Oh putain. Oh, putain. Il a tout pété. Je suis où, putain? Ouais, attends, l'animation, là, à mon avis, ça va tout bloquer là. Putain, il a fait vite. Ah, il s'est téléporté. Au secours, au secours. Au secours, au secours, j'ai mon bébé qui... Ah, ah. Putain. Ah, oh, putain, il arrive. Ah non, il va y avoir ses gardes, là. Ah non. Ah, par contre, il arrive assez vite. Hein. Putain, il est... Oh, ça va, hein. Oh, bon. C'est quoi, c'est le début là? C'est... On est où là? Il a tout éclaté. Oh, regarde les motos où ils sont. Ah! Oh putain. Enfin, nous sommes au château de Tubabuba. Vous êtes tous prêts? Soyez courageux, nous devons venir en aide à Dambou. Mais que peut-on faire? Ne perdons pas notre calme, les amis. Notre dame combat Tubabuba en personne. Nous ne pouvons pas hésiter. Bah là, on va t'enfuir. Reviens ici! Quel ce bruit? Tubabubba, vous pensez là, c'est... Il est derrière vous, la porte? Quoi? Il a fait un salut nazi. C'est... Quoi? Tu penses être capable d'être nazi? Oh bien sûr! C'est vrai! Le moulin est au pied de la colline. Tu dois te dépêcher, cours plus vite. Nous allons retenir Tubabubba. Bon, tu parles, il va péter la porte. C'est trop dangereux, c'est un taré, il va tous nous dévorer. C'est un taré, en fait. C'est un taré, oh, putain, il a fumé de la beuh, quoi. Donc, pourquoi cette porte s'ouvre pas? Je ne sais pas si... Ah non, mais c'est le... Je suis con, c'est l'autre. Pourquoi la porte s'ouvre pas? Je suis très débile, parce que du coup, j'étais tellement con que j'ai pris la voix d'un bout. Je sais pas si je pourrais la tenir longtemps. Fais pas de soucis pour... Ah non, fais pas de soucis pour nous. Je suis tellement con, parce que du coup, j'ai pris la voix du méchant. Partez vite. Oh putain, t'as fumé ça? J'aurais dit combien de fois dans cet épisode? Ça sent bon, le fantôme. Oui, t'as... Putain, t'as vu, je l'ai eu. Ah, mais attends, mais... Oh, putain, t'as vu, je l'ai eu, hein. Non, non, oui. Ah. Oh non, oh putain. Oh putain. En vrai, c'est la course puissante la plus naze que j'aurais faite. Ouf, attends. J'allais prendre Drop Top, mais j'ai pas envie de le sortir. C'est où le moulin de Toss? C'est encore plus loin.
On aurait fait comme Rumbel, en fait. T'avais raison, il faut trouver un truc hein, pour le battre. Hein. Oui. La clé magique. Oh, c'est moi, la clé magique. Ça pue, ça. Allez, putain, vas-y, putain de com, vas-y. Voilà. Ouais. Oh, putain. Les loups. Nani. Les loups. Du coup, ça donne plein de pièces. Waouh. Ok. Et là, il casse la porte. Entrée interdite. Eh ben, on va y aller. Encore, copy-paste. Oh, vas-y. Entrée interdite. Et là, il avait écrit La République. Entrée interdite. Merci. Bon, bah, le stérogang, il a fait un trou. Et tellement qu'il est gros, il a fait un trou dans le sol et il est piégé. Oh putain. C'est son cœur. Qui es-tu? C'est le cœur de David Jones. Mario. Est-ce que quelqu'un t'a dit que je suis le secret de l'invisibilité de Tubablubla? Quelqu'un du château a vendu la mèche et t'a dit que Tubablubla n'était qu'une enveloppe vide et que je le contrôle d'ici. Et je ne parle pas de DC Comics. On ne peut faire confiance à personne, décidément. C'est lui le boss. Je ne peux pas te laisser partir maintenant que tu connais le secret de mon invisibilité. Je le connaissais déjà avant, mec. Hein, c'est bon. On y va. C'est lui le boss. Oh, merde, ça va pas la musique. Mario. Sympa, hein. Oh. Ouais, elle est sympa. En soi, c'est quoi? C'est une fraise, en fait. Voilà une fraise, un bœuf, on peut dire que c'est le cœur. Ok, c'est pas ok du tout. 50 puissance 6, défense 0. Il a une attaque terrible, alors planque-toi lorsqu'il est prêt à envoyer la sauce. Oh. Ce soir, branlette. Cette attaque retire 12 PC. Waouh! Et je ne parle pas des crêpes waouh! Essaye de le dérouler et je ne parle pas des crêpes waouh! Avant qu'il ne relance son attaque. Fais-moi confiance, c'est chaud et je ne parle pas des crêpes waouh au micro-ondes. C'est au tour de debout. Je vais faire cette super attaque impossible à éviter. Il faut juste que je me prépare. Attends un instant. Ça va péter, je pense. Hein. Ça va péter. C'est le monde des drogués ici. Ils se dopent tous, ils se boostent tous pour te taper ici. Ils sont tous En gros, ce cœur, il s'est pris pour Deadpool en fait. C'est une fraise Deadpool. Ouais. Même pas si dans des comics, Je sais pas si c'est récent Deadpool en fait. N'hésitez pas, si vous savez, n'hésitez pas à vous abonner. Toi qui regarde tout le temps les vidéos là. Vas-y, dis-nous toi là. Sautez sur les nuits jusqu'à ce que vous manquiez une commande. J'ai envie de faire ça. Ok. Deux. Et toi, fantômette, tu as l'air d'être croustillante. Reste après le combat, je risque d'avoir faim. Bah, dans tes rêves, bouffeur de fantômes. Mario, je suis vraiment en colère. On se l'éclate. Ouais. Loul. Et faut que t'as besoin du vieux aussi pour te... Je sais pas comment elle a fait son attaque en vrai. Hein. Bah elle fait 12, il a dit. Ah oui. En effet. What? Oh putain. Bordel. Putain, il fait mal hein. La République, c'est moi. T'imagines Mélenchon qui danse avec une canne sur cette musique. La République, c'est moi. Merci le vieux. Mais t'inquiète, je l'utilise vous après. Pourquoi t'as fait Ah oui, tu peux réutiliser vous, ouais. Je pensais que tu pouvais plus utiliser vous. Mais non. Oh, regarde. Il est trop nul, hein, Mario, t'as vu? En fait, on va pas prendre un gros setard parce qu'autant, voilà. Et boubouboubou, il va arriver derrière. C'est juste un combat qui est long, quoi. Ah, il est long, et puis en plus, il y a rien de ouf à voir, quoi. C'est là qu'il fait son attaque.
Nel, mais j'essaye de parer, putain. Le prochain coup, il est mortadelle, quoi. On va se louper, quoi. Aïe, ça fait mal. Je m'en vais pour la peine. Quoi? Non, mais fils de... Non. Oh, le rage quitter. Ouais, putain. Jado. Au pied, Waluigi. Pourquoi tu dis ça? Vas-y, et puis violet, en fait. Oh. Ah, au pied, je crois que tu disais à Waluigi de, comme un chien, tu lui dis au pied. Ah Waluigi. Non. Je crois que tu disais ça. Oh putain. Oh putain. Il est temps de s'unir. Ah, j'aurais dû prendre Gumbario, mais je suis débile. Et tu me l'as pas dit. Oui, c'est bon ça. Avec mon corps et mon cœur unis, je suis imbattable. Putain, pourquoi j'ai pas pris. On sait pas quelle attaque, on sait pas quel dégât il a en plus. Le voici, Tubblebubblebub, accompagné de son cœur. Voilà sa vraie forme. PC Max 10, puissance 4. C'est pas énorme. Oula. Défense 0. Probablement, il a dit. Hein. Probablement. Son attaque spéciale fait 6 points de dégâts. Sois prudent, je ne sais pas ce que réservent les autres attaques. Mais je pense qu'il est plus faible qu'avant. On l'avait pas battu parce que bah on pouvait le battre, hein. Il y avait une phase où on pouvait le battre, mais il était invincible en fait. Putain de merde. Je peux pas faire un coup de vieux en plus. Je joue sur l'étoile. Ah, j'ai pas gagné des points d'étoile. Oh, un champignon. Hein. Attends, y'a que ça. Hein. On va prendre un boss Waka et puis... Un champignon communiste, un champignon. Capitaliste. J'ai réussi à parer. Yon, 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 yon. Attends, non, il n'y a pas que 10 de vie quand même. Si, en fait, il est nul à chier sans son cœur. Hein. Enfin, avec son cœur plutôt. Oh, opité. Oh putain, t'as fumé ça? C'était un chapitre de con, putain! Non, c'est pas fini, ça se finit pas comme ça, si! Mon corps et mon cœur unis, je pleure ici! Il pleure? Je veux devenir un chien, si tu veux me prévoir, c'est nazi! Je meurs en regardant, voici tous les fantômes que j'ai mangés, pardon. Il a pas digéré. Il va faire... Ah, putain. Ah, c'est Stanley, ça. Je ne suis qu'un individu sensible enfermé dans un corps gigantesque. Je ne veux plus être invincible si c'est pour me battre avec des gens comme vous. Ouah! Du coup, j'ai fait Waluigi. Ça te fait les pierres! Et tout le monde est sain, sauf ouah! Je vais prévenir les autres de ne plus effrayer trop souvent le pauvre vieux. Le pauvre vieux, tout de suite. Nous aimions l'effrayer de jour et de nuit, car il était un vrai lâche. Oh putain! Bon, on le regrette pas. Après tout, c'est le métier du fantôme que de faire peur. Oui, d'accord, mais je comprends pourquoi il vous bouffait vos races alors. Ouais. En plus, c'était une expérience fort enrichissante. Je n'ai jamais eu une telle poussée d'adrénaline. Avec un petit cœur, si tu vois ce que je veux dire, Mario. Ah, tu vois ce que je... J'ai beaucoup appris avec toi. Je pense qu'il faut que je vive de nouvelles expériences. Alors, je crois que je vais t'accompagner. On savait déjà ce que je veux dire. Ça ne te dérange pas? Oui. On est d'accord. Tu es chanceux de pouvoir voyager avec moi. Ouais, t'imagines, t'aurais dit non, tu l'avais pas le partenaire. Ce serait con. Tiens, Mario, voici l'esprit étoile comme promis. Ah putain. Un jour d'homme vient ici. Bah oui. Ouais, tout ça c'est une mise en scène, quoi. Voilà, Mario, il est libre. En fait, Bubbeuf se faisait bolosser depuis toute sa vie. C'était les boules, les méchants. Oui. Donc nous avons Binocle l'étoile. Oui, Binocle l'étoile. Et là, la carte, elle vomit parce que elle tournit. Elle... T'imagines.
Ben voilà, je vais pouvoir faire une petite outro ici. Hein. La fin du chapitre. Bon, ben merci d'avoir regardé cet épisode. Peut-être qu'il sera un petit peu long, ça dépend. Hein. Donc, on va juste lire ça. Après avoir compris le secret de l'invincible du blablabla, Mario put libérer Pinocchio l'étoile. Les boues peuvent à nouveau hanter les gens, comme bon leur semble, sans craindre du blablabla. Et c'est tout à fait normal, Loul. Même le vent soufflant dans le ravin vendu semble célébrer la victoire de Mario. Enfin, pour le moment. Avec la venue de Boo dans le groupe, Mario et ses amis sont fin prêts pour la suite. Bon, mais merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On vous dit à très bientôt et... Et ça va pas.